Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 31e épisode sur Sea of Stars. Et donc on va aller tout de suite au Temple du Ciel. C'est parti. Et on va aller voir le conseil qui vont nous autoriser à aller à la mer des étoiles. Malheureusement on a un compagnon de moins. Garl nous a quitté. Vous êtes de retour. Nous sommes désolés pour la disparition de votre ami. Notre monde a perdu une belle âme. Merci. Le dormeur a été apaisé et il s'est réveillé. En effet. Vous venez réclamer la récompense alors? Oui. Nous demandons l'accès à la mer des étoiles. Vous êtes prêt pour le voyage? Oui. Marmonnement. Savent-ils ce qui les attend? On ne sait même pas ce qu'est la mer des étoiles. C'est le passage que vous cherchez pour mener à bien votre périple. Il se trouve au cœur de notre monde. L'infiniment grand dans l'infiniment petit. Comment y accède-t-on? Nous y viendrons en temps voulu. D'abord, tous les voyageurs doivent être enregistrés. Veuillez rassembler votre groupe. Honorable conseil, si vous pouviez faire une exception, j'aimerais y aller en tant que capitaine Clichy. Mon équipage, il... Marmonnement. Nous l'autoriserons. Merci. Bien, réunissons tout le monde et formons une ligne. Présentez-vous, voyageurs. Danseur de l'âme solaire, Zeil, vivant. Moine lunaire, Valère, vivant. Vivant. Capitaine pirate, Clichy, suivant. Kinétan, si je ne m'appelle pas Kinétoine. Je voyagerai par-delà la mer des étoiles où je ne m'appelle pas Kinatan. Rôle et nom, je vous prie. Mage du vent pirate, Kinatan. Marmonnement. Erreur doit venir de nous. Nous n'en tiendrons pas compte. Suivant. Quartier maître pirate, Jaco Valtred. Vivant. Second pirate, Yolande, sérieux, bien intentionné, démolition, algue et pragmatise à tout moment service, Fortwall. Je l'ai trouvé. Vivant. Navigatrice fantôme, Hortense. Déjà approuvé pour un précédent voyage. Vivant. Historienne itinérante, Tix. C'est bon. Roden. Vous êtes le chef de ce groupe? Oui. Nous vous accordons l'accès à la mer des étoiles. Permettez-nous. Les quatre géants engloutis marquent l'entrée. Maintenant, partez et voguez là où vous êtes demandé. Merci, nous utiliserons ce don pour rétablir la paix. Bon vent! Ok. Thank you.
Pour l'instant, j'ai trouvé que deux temples du solstice sont où les autres? Il y a quelque chose que j'ai pas visité en bas. Il y avait une île où j'avais pas accès. Ah, juste un lac ici. Sauvegarder, c'est... Ah, tu as un boss. Un boss poisson géant. Sûrement quelque chose à faire pour activer. On dirait qu'il y a une poisson fossilisée. Bon, j'ai satisfait ma curiosité. Ah, il reste un autre coin. Toujours ça les FC. Ah, je peux changer toujours la nuit aussi en bateau. Ah, quelque chose à récupérer ici. On va pouvoir aller sous l'eau. On va peut-être faire baisser le niveau de l'eau à un moment donné. Chaîne de montagne ici. Il n'y a rien dans ce coin là. Ah si, il y a une île. Une île qui vole. À récupérer sous l'eau. Bon, allez, on va voir la mer des étoiles. On va sûrement avoir un... le dragon qui nous fait voler ou autre chose qui va nous faire voler, et puis le niveau de l'eau il va descendre, il y aura plein de nouvelles choses qui vont apparaître sur la carte, j'en suis persuadé. En tout cas, on continue d'explorer, on va voir si mes suppositions sont bonnes. Voyage au centre du monde. Lune, puis ça rien du tout. Oh, comment je n'ai pas de ça, moi.
Personne qui fait des... C'est des marteaux. Voilà, tout le monde est soigné. La mer des étoiles. Et hop, le bateau. Alors, on n'a pas de carte. J'imagine qu'on va aller tout droit. Qui brille là-bas, on va se diriger vers ça. Est-ce que ça me laisse dans la direction où je vais ou ça prend une direction? Ça change ma direction quand même. C'est là. Vitesse lumière. Ça veut dire que le jeu va passer en 3D là. C'était fou ça. On est loin de chez nous. Ah, on ne court plus. En même temps, on voit rien. On est dans un monde moderne. Alerte intrusion.
Les entités d'un autre monde ont pénétré dans l'enceinte. Début de l'élimination. Attention! What the fuck? Il y a plein de trucs qui ont changé, là. Les menus sont modernisés, les barres de vie sont différentes. Les logos pour... sont plus ronds, ils sont plus carrés, ils sont en hexagone. Ok, on voit-tu les faiblesses? Non. On va faire une attaque normale. Pour que Zayl puisse absorber une bobole, faire... pas Zayl mais Valère. Ça va être une attaque normale. Pas de faiblesse ni à la lune ni au marteau, enfin pas de faiblesse en tout cas. Bon, il réplique des alliés, ok, et après il attaque. C'est sympa. 32 points de vie. Oh boy. Dans le rang, ça peut être pas mal. Ah non, ah tant pis, trop tard. Il a fallu que je prenne Serai pour lui rajouter des temps, mais en fait non, c'est pas vraiment utile. Bah tiens, on va changer pour Serai. Il rate son double coup, c'est pas génial. Comment faire 3 arcanes en un seul tour? Combo. Plusieurs attaques arcaniques. Toujours une seule cible qui retarde toujours. Il faut 2 points. La seule chose que je peux faire, c'est ça. Ça. Et reflux, ça va enlever 2 verrous. Élevé sur une cible. Cet endroit a l'air si sophistiqué. Il n'y a rien à ce sujet dans aucune archive.
C'est un robot. Bienvenue dans mon monde. Nous avons désespérément besoin de vous. C'est l'ail. Pourquoi n'avoir rien dit? Je ne trouvais pas les mots. Vous seriez resté si vous l'aviez su. Bien sûr, on aurait pu faire sans vous. Le flèche-penseur a attaqué mon monde il y a très longtemps. Il est complètement perdu. Au-dessus de nous, la base céleste produit des nuages néfastes qui empêchent la lumière du soleil d'atteindre la surface. Et la lune, il l'a coulée dans l'océan. Vous comprenez? La lune et le soleil déconnectés. Plus d'enfants du solstice. Vous aideriez nous aideriez-vous? Bien sûr que oui. Par où on commence? Par chez moi, je me suis absenté pendant trop longtemps. Mon peuple, ils sont... Oui, comme moi. Un par un, nous avons été transformés en cyborgs par l'ignoble catalyseur, une machine diabolique douée de conscience. Condamné à vivre sous cette forme pour l'éternité, mon peuple survit impuissant tandis que l'hôte de l'effroi se nourrit lentement de leurs âmes. Terrey, je suis sincèrement désolé. Vous pouvez nous aider. C'est pour ça que je suis parti. Pour trouver des guerriers du solstice, pour vous trouver. Si nous parvenons à chasser les nuages, la lune brillera de nouveau. L'hôte de l'effroi se retrouvera alors vulnérable. Nous purifierons votre monde, je le jure. Moi aussi, je le jure. Merci. Atteindre la base céleste ne sera pas facile, mais pendant mon absence, il se pourrait qu'une piste ait été trouvée. Allons à Lamentation, ma ville natale. Je veux vous montrer ce que nous combattons ici. Et le flèche-penseur? Ton repère se trouve sur une passerelle de terre volante. Je ne sais absolument pas comment y accéder. Bon, avant toute chose, visitons votre ville. Lamentation se trouve sur l'île Céruléenne, à l'est de la sortie d'ici. L'usine délabrée pourrait poser problème, mais je suppose que nous avons connu bien pire. Très bien, passez devant. Aussi, il y a quatre démons. Pas quatre démons, mais quatre statues. Alors ici, on a quoi? Ça, c'est l'usine, ça. Station de réseau d'orbes à grande vitesse. Ok. Ça, c'est là qu'on doit aller. Allez, on va visiter partout. Ça sera fait. La lune. Ok. Un peu de solstice ici. La flèche s'accroissante, ok. Le château dans le ciel, c'est la base du flèche-penseur. C'est la base céleste, d'accord. C'est vrai que la carte est plus petite que l'autre. Où il y a moins d'îles. Là, il y a plus d'îles délabrées. C'est les feux de camp modernes. Alors, parfait x2, hop. Et soupe de champignons. Et j'ai plus la soupe.
Le berceau-lune. Ah non, j'ai plus assez de poissons. Fermé, mais le toit a l'air accessible. Ok, les coffres ressemblent à ça, aux recettes de sashimi. Déverrouiller la porte. Évidemment, on n'avait pas le choix. Alors lui on peut le détruire. L'XP, wouhou! Armure filaire. D'autres armures intéressantes. Non.
Bon, ça a l'air qu'on s'en va sur la bosse. Oh Dieu, le temps passe vite. Bon, on s'arrête déjà pour cet épisode. Alors j'espère qu'il t'a plu. Ici, sur le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu. Et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer. N'hésite pas à mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis. Et si tu es déjà abonné, je te remercie grandement de ta fidélité. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.